vous ne dites rien? J'ai dit à l'heure à mes chefs que je ne serai plus de la police. Avant 10 jours, je n'ai pas retrouvé RTR. Parce que vous croyez le retrouver? Ce que je veux, c'est retrouver le coupable, le vrai. Eh bien, téléphonez-moi quand vous aurez de nouveau. La nuit à l'étudier et ce matin je suis allée à la coupole. Il a plu sur ça. Vous le savez, le pilier est écrit à l'encre. J'ai étudié l'encre de la coupole et je sais que ce papier a été écrit au petit bar à gauche. Où se retrouvent les clients qui ont habitude de la maison. Je peux aussi vous dire que la lettre a été écrite de la main gauche, mais que l'homme écrit de la main droite. Il a voulu nous tromper. Je crois aussi que c'est un homme qui a fait des études. Je pense même qu'il parle plusieurs langues. Mais là, je dis ce que je crois et pas ce que je fais. Continuez, tout ça est intéressant. Eh bien, c'est certainement un homme très intelligent. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit moralement très solide. C'est une écriture d'homme. Mais la façon d'écrire est celle d'une femme. Bien sûr, ce que je dis là, un juge ne peut pas le tenir pour vrai. Ce ne peut être qu'un idée à moi, à quelque chose de plus sûr, mais qui ne vous servira sans doute pas beaucoup. Il a une trace brune au coin du papier, une trace de café au lait. Bon, si j'ai bien compris, la lettre a été écrite hier matin. Au bar de la coupole, par un client qui parle plusieurs langues et qui buvait un café crème. Eh bien, merci. Pas de problème. Au revoir. Au revoir, Mou. Ça va, mais ce qui m'ennuie, c'est que les cheveux ne repoussent pas assez. En droite, là, je vais être jolie. Ça, c'est ma faute. Mais non, c'est la mine. Si le veste vient comme il faut, et maintenant, pas trop à cause de moi, vous voilà avec une mauvaise affaire sur le prince. Ne t'inquiète pas, ça va aller, on le retrouvera. Bonjour, on est jeunes ensemble. Pas aujourd'hui, je suis invitée en ville. Et alors demain? Entendu. Ok, au revoir. Au revoir. Bonjour Maigret. Bonjour Crosby.
Comment allez-vous, commissaire? Non, merci, je ne fume pas que la pipe et toujours du tabac gris. Vous buvez quelque chose? Je suis déjà servie, vous voyez? Vous comprenez l'anglais, la russe, l'allemand? Non, pourquoi? Alors, vous ne devez pas comprendre grand-chose à ce qu'on dit ici. Hein? Dites-moi, j'ai vu dans le journal, c'est vrai tout ça. Que voulez-vous dire? Ah bien, vous savez l'assassin. Bon, on le trouvera, ne vous inquiétez pas. Prenez tout de même un verre avec moi, commissaire. Cela ferait plaisir à ma femme. Oui, c'est bon.